Longe visite Marie. L'évangile selon Saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. À ça, j'étais dans le 16e mai, quel bon Dieu, on vit l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge qui était fiancée à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Et cette vierge avait nom Marie. Et l'ange entrit où Marie se trouvait et lui dit, « Je te salue, car le Seigneur est avec toi, parce que tu es favorisé et tu es béni. » Et on va l'ange, où fut troublé en lui-même par ses paroles, et où s'est demandé, « Check cette salutation, on vous le dit. » Puis l'ange lui dit, « Marie, n'éponde pas, car tu as trouvé grâce devant le bon Dieu, et tu deviendras enceinte, et tu auras un petit enfant, à qui tu donneras le nom de Jésus. Il s'en forma, et s'en appelait fille du tout grand, et le bon Dieu lui donna le trône de David, son chef. Il régnera à tout jamais sur tous les descendants de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. Mais Marie dit à l'ange, « Comme tu dis-tu pourra s'arriver depuis que je n'ai pas rendu d'homme ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit fera en sorte que la vertu du Tout-Grand te couvrira de son ombre, chez ton chi et tout l'enfant saint qui s'en aide-t'a et s'appelait la fille du bon Dieu. Et ne voilà que ta cousine, Elisabeth, Satan est tout d'un fille dans sa vieillesse, et où les avanchis de ses mains, où est-ce qu'on fût considéré stérile, car rien n'est ça impossible au bon Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que chien que tu m'as dit se fèche. Et là-dessus, l'ange s'en refut.